Bonjour maman. Bonjour monsieur. C'est en direct à Tipico. Oui. Et nous sommes à l'Hôtel d'Ivoire pour la conférence de presse du lancement officiel des campagnes de l'Hôtel d'Ivoire. Qu'est-ce que tu peux dire aux Ivoiriens qui te suivent à ton Moi, ce que je peux dire aux Ivoiriens, c'est d'avoir confiance. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Madame Gamsoré Fatmata. Vous venez de quelle commune? Je viens de France. Vous venez de la France? Je viens de la France spécialement pour ça. Spécialement pour Didier Drogba. Didier Drogba jusqu'à l'élection. Ouais. Ce que je peux dire à la nation ivoirienne, surtout au votant, qu'avec Didier, beaucoup de choses peuvent changer. Les précédents ont fait leur part. Donc, ils n'ont pas donné la chance aussi à Didier de prouver pour lui. C'est juste 4 ans. S'il n'a pas réalisé tout ce qu'il a dit, on peut le remplacer. Mais moi, je veux que les votants, surtout les votants, n'ont qu'à penser à l'avenir du football et à l'avenir, même si nous, on ne peut pas jouer en tant que parents, en tant que supporters. Mais nos enfants, nos arrières, nos petits-enfants peuvent évoluer dans le football, ceux qui vont choisir. Mais il faut que les gens changent un peu. On n'en veut pas, mais il faut que tout chaud, il y ait un changement. Donc moi, je parle aux votants de bien réfléchir et de faire le bon choix. C'est ce que je dis. Quand vous avez dit que vous venez directement de la France, qu'est-ce que vous pouvez dire au président de club qui vous suit actuellement? Parce que la population ne vote pas. C'est que le président de club qui vote. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce président de club qui vous suit actuellement? Moi, je peux dire au président de club d'avoir confiance à Didier par rapport à son programme qu'il a détaillé. C'est un bon programme et il est déjà prêt. Dès qu'il est élu, s'ils comprennent, s'ils acceptent de le voter, dès qu'il est élu, tout son programme va se mettre en place. Nous, on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Donc, tout son programme qu'il a établi, il a dit, ça va se faire. Il faut avoir confiance à Didier, ça va se faire. Eux-mêmes, ils ne vont pas regretter pourquoi est-ce qu'ils l'ont voté. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Vous êtes en direct sur Apti People. Pardon? Vous êtes en direct sur Apti People. Oui.
Voilà, et nous sommes à l'Hôtel d'Ivoire pour la conférence de presse du lancement officiel de la campagne du développement. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ce moment-là ? Merci. D'abord, que Dieu bénisse Didier Drogba. Mais je crois que les Ivoiriens n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Quelqu'un vient pour vous sauver d'une situation sombre. Vous ne le soutenez pas. Vous voulez soutenir les ténèbres. Moi, je pense qu'il faut que tous les Ivoiriens pensent à Didier Drogba. Il faut que tous les Ivoiriens prient pour Didier Drogba afin qu'il devienne le président, le vrai président de la FIF. C'est ce que je voulais dire. Je suis d'Iagbalé. Vous venez de quelle commune ? Je suis de Sayoua. Sayoua. Mais je suis de la commune de Cocody. C'est pour Didier Drogba que je suis là. Je lui apporte l'onction de la victoire au nom de Jésus. Merci, papa. On continue. L'ambiance ici, avant le début de la conférence de presse. Vous pouvez le constater, c'est l'évangélique Active People. L'évangélique Active People. Voilà. Allons-y. Monsieur Badja. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous, vous êtes en direct sur Active People. Comment ? Vous êtes en direct sur Active People. Présentez-vous. Je suis Armand Sowi. Armand Sowi. Je suis membre du comité de soutien, des comités de soutien appelé tous pour DD11. Je suis chargé des relations extérieures. Nous sommes en direct de l'Hôtel d'Ivoire. Il va se dérouler dans un instant la conférence de presse de lancement officiel de la candidature de l'Hôtel d'Ivoire. Voilà, les Ivoiriens qui suivent actuellement. D'ailleurs, ceux qui sont sceptiques, qui sont les présidents des clubs qui sont sceptiques, qu'est-ce que tu peux leur dire en direct? Je voudrais saisir l'occasion pour m'offrir pour demander aux dirigeants de nos sports rois, le football, de faire le choix de la maturité, de faire le choix de la raison, le choix de l'avenir. Faut-il être statique ou évoluer? La question, toute la problématique, c'est cela. Avec Didier Drogba, le futur est rayonnant. C'est cela. À ces présidents, je demande humblement de tout mettre en œuvre, de tout mettre en œuvre pour faire élire le candidat Didier Drogba au soir du 23 avril à Yamoussoukro comme président de la Fédération de football. Aux Ivoiriens, que leur soutien soit massif. C'est vrai, le peuple ne vote pas. Mais c'est le peuple qui fait le sport, c'est le peuple qui va au stade, c'est le peuple qui fait tout. Si le peuple est avec toi, c'est évident que les choses aillent. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. On dit que tu as rien à moi. Juste une petite question. Oh, ouais. Présentez-vous aux abonnés de Active People qui vous suivent à travers le monde entier. Ok. Voilà, nous sommes à l'Hôtel d'Ivoire pour la conférence de presse. Du lancement officiel des campagnes de Didier Drogba. Oui. Voilà. Les Ivoiriens te regardent, qu'est-ce que tu peux leur dire? Par rapport à Didier. Par rapport à Didier, bien sûr. On commence par moi d'abord. Voilà. Présentez-vous, s'il vous plaît. La charité bien donnée. Je suis donc M. Guillaume Dabia. On m'appelle aussi Badou. On n'est pas des Big Badou. Et j'appartiens à un moment de soutien qu'on appelle tous pour DD11. Mon cher ami vient de monter. Voilà. Tous pour DD11. Voilà. Et ce mouvement, donc, auquel j'appartiens, j'assure l'organisation et je suis le porte-parole du Bénin. Alors, en ce qui concerne la légende Didier Drogba, oh, moi, mon problème, c'était, est-ce que Didier Drogba va accepter d'être candidat? C'était là mon problème. Mon problème n'était pas, est-ce qu'on va accepter la candidature de Didier Drogba? Que de gâchure. Enfin, il est candidat. Enfin, c'est homologué. C'est un monument. C'est un monsieur qui, de par son nom, libère des gens et fait des trous et des passages pour les gens sans qu'ils te connaissent dans le monde entier. Moi qui vous parle, j'ai bénéficié de Didier Drogba sans qu'ils me connaissent. J'étais, bien entendu,
de passage à Dubaï. J'attends mon passeport pour faire escale pour aller à Corée du Sud. Mais on dit qu'on connaît pas le passeport ivoirien. Il tourne, vous avez mon passeport. Voilà que il me dit, mais voilà la carte d'Afrique, il faut coucher. Il faut faire une croix sur ton pays là. Je mets la croix sur la Côte d'Ivoire. Les policiers de Dubaï disent, mais oh my god, il y a tout tel house you are from Didier Drogba's country. Dis-nous que tu es du pays de Didier Drogba seulement, tu allais partir. Mais après, il faut foutre un mois. Voici le droit de Didier Drogba. Cette autorité qu'il a là, nulle part ailleurs, à Côte d'Ivoire, personne n'a. Le président de la République lui-même, la reine d'Angleterre, lui a dit aussi, il s'est dit, monsieur Alassane Ouattara, et il dit, oh, Didier Drogba, le président a témoigné, un tel monument, il faut qu'il soit à la place qu'il faut. Le président de la Fédération Ivoirienne de football, c'est sa place. Je vous remercie. Bonjour monsieur. Je suis là pour Didier Drogba. Oui, je suis là pour Didier Drogba. Qu'est-ce que tu peux dire? Didier Drogba s'est trop investi dans le football de la Côte d'Ivoire. Son pied cassé, il est soudé. La victoire de la Côte d'Ivoire soudé. Moi j'ai joué. Il a soudé son pied. Il a joué avec son pied cassé pour la victoire de Côte d'Ivoire. Donc pour la carrière de football pour la Côte d'Ivoire, on a besoin de Didier Drogba. On veut la victoire de Didier Drogba à Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Parce que nous, on ne sait pas qui a dit.
Voilà. Il n'a pas vérifié.